Bon bah c'est cool, j'ai reçu le matos. Donc on a notre convertisseur 12220. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, pof, on a ça. De l'autre côté, je branche les fils qui vont aller sur la batterie. Bon par contre, il va falloir que je les rallonge. Il va falloir que je les rallonge parce que ça va pas être assez long. Donc il faut que je trouve un système pour rallonger ça. Ok, donc l'idée c'est de mettre le convertisseur ici. Voilà, juste derrière le conducteur. On va essayer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans le camping-car et on va installer ensemble le convertisseur 12220 que je viens d'acheter 120 €. Voilà, chez Amazon, j'ai acheté ça. Pur sinus, donc ça va être bien pratique pour recharger les ordinateurs, les téléphones et tout ça, parce que le signal va être droit. Donc parce qu'avant, je vais vous le montrer juste là, et on avait un convertisseur mais qui n'était pas pur sinus et c'était une vraie galère pour charger le matériel, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vidé la batterie l'autre jour du moteur quand on était à Binic. Et voilà, donc c'est parti, allez, feu. Alors voilà, la première étape est faite, les fils sont passés. Alors j'ai mis des petites cosses hein, pour que ça soit un peu plus propre quand même. Voilà, donc ça c'est côté batterie. Et donc côté cellule, ça donne ça. Puis bah là je vais les attacher bien propres ici avec du matériel que j'ai. Tac 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 tac. Et voilà, allez, on se retrouve juste après. Voilà, alors je pensais que j'en avais d'autres, des petits crochets comme ça, mais j'en ai pas. C'est dommage. Donc je vais monter le convertisseur et puis bah ça j'en rachèterai. Et puis quand on reprendra le camping-car, et bah, je refixerai ça bien correct, nickel quoi. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Allez, bon bah je fixe. Ok, c'est cool. Donc ici, le voilà qui est fixé. Donc c'est parfait. Il paraît pas droit comme ça, mais c'est droit. Bon, allez, je retourne monsieur bricolage parce que mes cosses pour aller à la batterie, ça va pas. Elles sont pas assez grosses. Donc je vais aller en changer et puis je vais en profiter pour reprendre des trucs comme ça là pour bloquer les fils, comme ça tout sera nickel propre. Voilà, donc c'est fini d'installer. Alors, verdict, ça marche, merveilleux. Donc bah, l'idée c'est que quand je ferai de l'ordinateur, clac, pour pouvoir continuer mes petites vidéos YouTube. Bon, c'est un petit investissement quoi, voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà comment j'ai fait. Ouais, j'ai mis des petites accroches. J'ai essayé de passer ça bien proprement. Là, il manque encore des agrafes. Et l'appareil est là. Voilà. Donc je l'ai testé hier soir, enfin cette nuit, et ça marche nickel. C'est vraiment parfait. C'est voilà, c'est ce qui manquait. Donc après, il manquera juste un petit régulateur, contrôleur de charge. J'ai vu le Victron à 150 €, pas mal. Contrôleur de charge, et puis là, on commencera à être pas mal. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura bien servi. Hein, un petit tuto sympathique quoi, pour comment avoir de l'électricité du 220 volts dans le camping-car. Donc bah, abonnez-vous, hein. Là on est à 800, objectif 1000 abonnés, allez on y croit, avant la fin de l'année ça serait pas mal, voilà, parce que la chaîne elle existe depuis, ça fera 2 ans, donc j'y connaissais absolument rien,
On a fait ça au départ un peu pour le plaisir, pour donner des nouvelles à la famille qui habite loin, les cousins, les cousines qui habitent à Bayonne ou à Paris, ma mère et puis qui habite du côté de Bolène la plupart du temps, parce que maintenant ils sont pas mal en vacances entre les Sables-d'Olonne et Bolène. Voilà, puis les cousins, cousines qu'on voit pas assez souvent, mais c'est vrai qu'à force de faire des vidéos, bon, je pense avoir quand même pas mal progressé, parce que si on regarde les premières, c'était une vraie catastrophe. Il y en a plein que j'ai mis en non répertorié d'ailleurs, parce que j'ai vu que plein de gens se désabonnaient quand ils voyaient ces vidéos. Donc, alors abonnez-vous, hein, le petit pouce, laissez des commentaires. Peut-être que vous avez vu des trucs que j'aurais pas dû faire. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, merci.